Hey yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture assez fun. On s'ouvre des petits boosters duelistes légendaires, les dragons blancs des abysses. Donc j'ai pas pris une display, par contre j'ai pris du booster, c'est toujours fun. À l'intérieur il y a des nouveaux ailes noires, ça c'est ce qui m'intéresse en fait tout simplement. Il y a les nouveaux, le nouveau dragon KO Max, quelque chose comme ça. KO Max, je pense que je vais me faire défoncer par ceux qui aiment bien les dragons blancs, j'oublie le nom tout le temps, bon, bref. Et il y a un petit peu de cyber dragon également. Je cherche rien de particulier si ce n'est des cartes ailes noires. C'est une ouverture fun, 10 boosters, c'est pas une display, je sais, mais c'est quand même cool. Et puis voilà, bref, on passe sans plus attendre au début de cette ouverture. Allez, c'est parti. Donc on a mis bien nos boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Tac, à l'intérieur en fait, parce que c'est une booster qui coûte pas très cher, style 2,50€, 3€. À l'intérieur en fait, ce qui justifie ça, c'est qu'il y a 5 cartes et. Alors c'est pas écrit juste ici, mais si je me trompe pas, c'est principalement des communes en fait. C'est style 4 communes, une rare, ou 4 communes, une super, ou 4 communes, une super, une ultra, enfin quelque chose comme ça. Enfin 3 communes, une super, une ultra, mais c'est pas des boosters full rareté comme on a pu le voir sur des boosters de 5 cartes. Bref, on commence sans plus attendre. Tac. Une collection qui m'intéressait pas vraiment au début, puis après j'ai vu les ailes noires qu'il y avait à l'intérieur. Et on commence avec un dragon du carnage, Chimera Tech en commune. Rappel des acteurs des abysses. Un cyber dragon ultime en commune. Ok. Un broyeur photon et changement photon. Ça marche. C'est notre rare du paquet. Vous voyez, on a 4 communes, une rare, c'est ce que je vous disais juste avant. Tac. Essayer de ranger proprement quand même. Là. Alors, deuxième booster. Moi j'espère vraiment avoir des ailes noires. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je vais défoncer du coup. Que je déteste ça, mais bon, ça arrive. Alors, on commence avec Script des Abysses, cérémonie d'inauguration. Première carte magique de cette ouverture. Forme du chaos, ça c'est une carte cool. Encore un Chimera Tech. Yes! Premier noir, ça c'est cool. Dragon, aile sombre. Et derrière, on a Arbalète Rayante, qui est aussi une carte pour les ailes noires. Bon, voilà, c'est un très beau début d'ouverture. Deuxième booster, j'ai déjà deux cartes qui m'intéressaient. Donc, c'est cool. Allez, troisième booster, on continue. Sans plus attendre. J'ai encore défoncé le booster. Je sais pas s'ils sont plus fragiles ou si juste j'ai comme un bug, je sais pas. Alors, demoiselle aux yeux couleur bleue. Accès lumière. Yes! Aile noire Orochi. Ça, c'est cool. Bord à la lance, ça j'avais déjà. Et un volatile photon. Tac, continue. Je suis content d'avoir eu le synchro. Il y a un synchro qui cote beaucoup, un synchro aile noire. J'espère que je vais l'avoir au moins en un exemplaire, en du booster. On verra bien. Ok, encore un Chimera Tech, décidément. Scrupule des Abysses, Ascension du Roi des Abysses. Tourbillon noir que j'avais déjà en nombreux exemplaires. Kouri photon, ça c'est cool parce que je collectionne les Kouribos. Et bah, du coup, ça m'en fait un de plus. Et derrière, on a une rare Script des Abysses Terreur Romantique. Avec une illustration qui est carrément cool. À la Roméo et Juliette. Chaos Max, je crois que c'est comme ça, Chaos Max. Alors, Cyber Dragon Drake, je vous en parlais un petit peu avant. Sanctuaire du Dragon. Lien de puissance. Lanceur photon, et derrière, oiseau noir achevé, ça c'est une carte piège pour les ailes noires, je vous laisse lire les faits. Tac, et bah c'est une nouvelle carte piège, carte aile noire, donc c'est toujours cool. Alors, accès lumière, accès, oui c'est ça, accès lumière, broyeur photon, lanceur photon. Yes, derrière, c'est-à-dire qu'on a une carte cool. Donc, c'est Elnoa, Oster, le vent du sud. Et derrière, on a Dragon solide aux yeux bleus, qui est magnifique, et qu'on a loot, maintenant que je m'en rends compte, dans la vidéo OCG. Je vous mets le lien là, ou là. Ouais, non, je suis bête, parce que je fais en miniature. Bah, je vous mets le lien qui apparaît, qu'on a loot dans l'ouverture OCG, du coup, en japonais. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 boosters. On a eu un seul synchro. J'espère vraiment qu'on va avoir... un des synchros cool, au moins celui-là en deux exemplaires, ça serait bien pour continuer à taffer mon extra deck. Et puis, bah, si possible, l'autre quoi. Un super dragon team,
un Cyber Dragon Drey, un Bourre à la Lance, un Axe Lumière et encore une Arbalète Rayonne. Ça nous l'a fait x2, j'aurais peut-être le playset finalement. Je sais pas si c'est worse ou pas, en tout cas ce qui est cool c'est que c'est duel noir. Hop, on continue. Un Bourre à la Lance, Mélodie du Réveil des Dragons, Usine de Réparation Cybernétique, où j'ai vu un dernier Changement Photon, et le fameux aile noire que je voulais. Donc aile noire, maître complet des armures. Yes! Un synthoniseur aile noire et un monstre non synthoniseur. C'est un monstre à 10 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. 3000 d'attaque, 3000 de défense. Je vous laisse lire l'effet. Oh, je suis refait d'avoir eu cette carte. J'ai au moins les deux. Ce qui serait cool, c'est que j'ai encore un dragon aile sombre. Ça serait cool parce que ça m'en ferait deux. Mais bon, là déjà, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu un exemplaire des cartes des autres monstres. Donc, parfait. Je crois qu'il m'en manque encore un. Mais déjà, c'était vraiment ce synchro-là qu'il me fallait, qu'il me manquait. Donc, je suis refait de l'avoir eu. Acteur des abysses en coulisses. Un courri photon. Un acteur des abysses doublure branchée. On va la mettre là. Mélodie du réveil des dragons. Et Cyber Paros. Pharos. Ok, je connaissais pas du tout ce monstre, mais c'est cool. Et le dernier booster, que va-t-il contenir? Aucune idée, mais en tout cas, j'ai hâte de le savoir. Je suis content d'avoir eu ce synchro, ouais. Un Cyber Dragon Ultime. Yes, on l'avait pas encore eu, donc ça c'est cool. Forme du Chaos qu'on avait déjà eu une fois, Orochi qu'on a une seconde fois, et aile noire achevée. Et bah c'est cool, franchement c'est une belle ouverture, je suis content. On a eu dans les cartes pièges deux cartes qui parlent des ailes noires, donc ça c'est cool. J'ai pas eu le playset mais je l'ai eu au moins deux fois, ça c'est cool. Dans les extra decks ici, on a eu en fait tout simplement trois ultimes et trois chimera tech. C'est cool, quand je me rappelle que cette carte-là cotait des centaines et des centaines, alors peut-être pas des centaines et des centaines, mais cotait quand même un bon prix à l'époque, et du coup je me dis que c'est quand même fou maintenant de la trouver en commune, aussi facilement lootable dans les boosters. Alors qu'est-ce qui nous manque? Tac, tac. Donc on a eu quoi? On a eu trois Bourre à la Lance, on a eu un playset de Bourre à la Lance, ok. Ça c'était pas très intéressant, mais c'est quand même cool. On a eu deux ailes noires Orochi, ça c'est cool puisque je ne l'avais pas. Un aile noir Oster du Vent du Sud et un aile noir Zephyros l'élite, ça c'est cool. On a eu un Cyber Paros en rare, on a eu un dragon solide aux yeux bleus en rare. Ah pardon, c'est pas une rare, non. Et on a eu quoi d'autre? Un Volatile Photon en rare également, c'est cool. Super cool. Moi je suis content, j'ai eu les ailes noires que je voulais. Du moins dans les monstres. Alors j'aurais bien aimé avoir des playsets à chaque fois. Hein. Ça, c'est toujours plus cool pour ouvrir des boosters, mais on va pas se plaindre, c'est quand même pas mal. Là on a eu deux formes du chaos si je ne me trompe pas. Tac tac, c'est dans les premiers boosters, donc ça c'est pareil, c'est pour les chaos max si je ne me trompe pas. Non, c'est pour le soleil du lustre noir. Ok, tant pis. On a eu deux réveils mélodie du réveil du dragon. Une usine de réparation. On a eu deux fois l'arbalète pour les ailes noires en rare, pareil. Donc ça c'est cool, ça c'est toujours sympa. Ça va aller dans mon deck. Aile noire, un tourbillon noir. On a eu cette carte terreur romantique en rare et après c'est que des communes. Voilà, pas trop mal. Et surtout, on a eu, il y a deux synchros qui sont sortis dans l'édition. On les a eu tous les deux en des boosters et notamment celle-là qui me refait totalement. Et puis le aile sombre. Hop, je vous laisse lire l'effet si vous voulez. Tac, qui est quand même pas trop mal. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Ça fait déjà 8 minutes que j'ouvre des boosters et que je parle sans m'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez eu. Dites-moi si vous en avez acheté. Dites-moi, parlez-moi un petit peu. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. L'abonnement, évidemment, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, je garde le rythme des deux vidéos par semaine. Donc plus vous êtes, plus ça m'encourage à le faire. Et puis voilà, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je partage plein de choses que je partage pas sur Twitter, sur YouTube. Je tease des vidéos, ça vous permet d'avoir des avant-premières, etc. Et puis voilà, je vous dis, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout, à bientôt. Allez, ciao!